le film que vous allez voir a été réalisé par alissa Verbiz. il constitue une archive précieuse de l'exposition icônes de l'art moderne, la collection tchoukine. car une exposition est une sorte de performance dont les principaux acteurs sont les tableaux et les visiteurs, et qui s'efface et s'épuise et s'oublie avec le temps. l'exposition icônes de l'art moderne, la collection tchoukine, Organisée en 2016 à la Fondation Louis Vuitton, a été la première manifestation au monde consacrée à l'histoire de la collection d'art moderne français, réunie entre 1898 et 1914 par l'industriel moscovite du textile Sergei Tchoukine. Il est établi que Sergei Tchoukine, avait projeté de léguer sa collection à la galerie Tretiakov créée en 1892 par les frères Sergueï et Pavel Tretiakov. Et cette collection était euh, non pas une collection euh, particulière au sens de euh, dédiée au plaisir du collectionneur, mais une entreprise euh, didactique, une entreprise qui avait pour objet de former et d'éduquer. Le public moscovite. Sergei Tchoukine avait réuni des œuvres témoignant des principaux mouvements, les impressionnistes avec Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, les post-impressionnistes avec Van Gogh, Gauguin, Cézanne, les modernes et les avant-gardes modernes avec les fauves, Matisse, Marquet, Laminque, Dorin. Et les cubistes avec Picasso, Braque, Dorin à nouveau. On doit rappeler que Tchoukine entretint des relations directes avec Matisse d'un côté et Picasso de l'autre. Ils furent très étroitement liés et leur dialogue est attesté par des correspondances et des grandes commandes. Les commandes de Tchoukine à Matisse ont fait l'objet de nombreuses recherches. Et se sont concrétisés par ces grands panneaux, la danse et la musique, qui se font partie des œuvres les plus célèbres de Matisse et qui aujourd'hui sont conservées au musée de l'Armitage à Saint-Pétersbourg. Ces relations privilégiées entre Sergei Tchoukine et ses artistes, qui à l'époque connaissaient de très grandes difficultés, n'étaient pas reconnus, avaient bien du mal à survivre de leur art, euh, ces relations ont permis de réunir à Moscou dans les années 1903-4 à 1914, des ensembles extrêmement importants, une trentaine d'œuvres pour Matisse, une cinquantaine d'œuvres pour Picasso, qui permettent de suivre le développement de la quasi-totalité de leur, de leur trajectoire pour cette période. On, on voit Picasso passer de la période bleue à la période rose. Proto-cubisme de la période des Demoiselles d'Avignon et au cubisme synthétique. Et on voit Matisse quitter progressivement euh, le fauvisme pour développer un art qui n'appartient qu'à lui seul et euh, qui va euh, trouver avec le fameux Salon Rose, euh, qu'il va lui-même accrocher lors de son voyage à Moscou en 1911, une, une dimension de synthèse des arts, où l'architecture, la peinture, et même le mobilier euh, vont contribuer à euh, créer une entité spatiale euh, et une entité artistique exceptionnelle. Revoir aujourd'hui euh, ce film dédié à l'exposition Chukin, c'est retourner euh, dans le temps, trois quatre ans en arrière, au moment même où se prépare euh, l'exposition Morozov, qui sera le deuxième pan de, de ce, ce grand diptyque. Des icônes de l'art moderne. Le premier dédié à la collection Choukin, le second euh, aux collections réunies par les deux frères Morozov, Mirel et Ivan. Une génération sépare Sergei Choukin des frères Morozov. Ensemble, à peu près au même moment, à la fin des années 1890, Sergei Choukin et les frères Morozov vont commencer à collectionner, et ils vont collectionner sensiblement les mêmes artistes. Travailler avec les mêmes euh, marchands, se faire conseiller par les mêmes critiques ou les mêmes, euh, les mêmes proches et euh, s'intéresser globalement à la même période de l'art moderne. À l'automne prochain, ouvrira ainsi à la Fondation Louis Vuitton cette deuxième grande manifestation dédiée à des collectionneurs moscovites passionnés euh, d'art moderne français qui prirent chacun des risques euh, importants qui essuyèrent les moqueries et les critiques de leurs contemporains, qui tinrent leur cap avec détermination. Ces deux collections mises ensemble ont constitué, après la révolution bolchevique et euh, la nationalisation de ces collections, le premier musée d'art moderne au monde qui s'appelait euh, à partir de 1918 le musée de la nouvelle peinture occidentale et qui devint euh, à partir de 1923 le nouveau musée d'art moderne occidental ce musée il ouvre avec une décennie d'avance sur le museum of modern art de New York ou bien d'autres euh, projets de musée d'art moderne on attendra en France la fin des années 30 pour la conception et l'esquisse les d'un musée d'art moderne. Alors je vous laisse regarder ce film d'Alice Verbis, oui. qui raconte un moment de notre histoire commune et de redécouverte de l'art moderne français au moment de son émergence.